Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis en train de conduire. Là je me rends directement à Auchan pour faire quelques courses pour notre départ au Maroc, Inch'Allah. On part lundi Inch'Allah au Maroc. J'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte. Là je dois aller acheter quelques petites bricoles en fait pour le trajet parce qu'on part en bateau de 7. Du coup il me faut des pots pour Rehana pour qu'elle puisse manger parce que je peux pas les garder au frais. Des yaourts pour elle. Deux trois bricoles quoi pour nous pour le bateau. Rehana elle s'est endormie. Depuis tout à l'heure elle veut dormir et elle pleure parce qu'elle veut pas dormir à la maison. Voilà, je dois passer vite faire la pharmacie pour lui acheter quelques boîtes de lait parce qu'elle a un lait spécifique, en fait c'est du Modiac AR et ça se vend pas de partout. Du coup je préfère en acheter quelques boîtes, comme ça je suis tranquille pendant un petit moment. Et voilà, de toute façon aujourd'hui je vais vous garder avec moi pour cette journée. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec le chirurgien qui m'a opéré pour la vésicule biliaire pour l'opération post-opération en fait, post-opératoire. Et j'ai rendez-vous avec lui à 13h45. Du coup là je me dépêche parce qu'il est 11h30, j'ai vite fait faire ces 2-3 courses et je vais rentrer à la maison, faut que je fasse manger Rehana, nous aussi on va manger et puis après j'ai énormément de rangements à faire pour nos habits, voilà, on doit ranger tous nos affaires pour pouvoir les charger lundi dans la voiture. Je vous raconte pas comment c'est le bordel à la maison, c'est un truc de fou. Franchement ça m'énerve quand c'est le bordel. Là tout à l'heure j'étais en train de chercher un gilet et tout, ça m'énervait, le bordel de partout, des habits de partout, je supporte plus les habits. Bref, voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui vous allez rester avec moi. Regardez-moi Rehana comment je l'habille aujourd'hui. Le petit bandeau que je lui ai acheté, il est trop beau. Et là je lui ai mis un genre de gigothèse Hugo Boss avec un gilet Hugo Boss rose. Elle est trop belle ma soeur. Coucou maman. Elle est fatiguée la pauvre. Ça va mon bébé? Et du coup je l'ai mis comme d'hab dans le 4J pour que ce soit plus simple pour moi pour faire les courses. Viens mon bébé. Elle est fatiguée. Je viens de sortir de la clinique. J'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien. Il m'a dit que tout était très bien, que mes cicatrices étaient belles et tout. Donc voilà, je suis contente. Au moins c'est fait. J'ai plus mal. Donc là, je vais monter dans la voiture. Il fait beau aujourd'hui. Il y a du soleil. Hop là. Alors attendez, je vais poser mon sac. Voilà. Alors, donc je vous disais donc je suis descendue au bureau d'entrée pour récupérer ma facture parce qu'il y a des dépassements d'honoraires. Mon thé, il est bizarre. Avec le soleil, vous voyez la différence? Bon bref. Oui, je vous disais, j'ai dû aller au bureau d'entrée pour aller récupérer ma facture parce qu'il y avait des dépassements d'honoraires. Parce que vu que je me suis fait opérer dans une... Oh, le thé est trop bizarre. Vu que c'est une clinique, c'est pas dans un hôpital, donc il y a des dépassements d'honoraires. J'en ai eu pour 300€ de dépassement d'honoraires pour le chirurgien et 100€ pour l'anesthésiste. Mais ils passent pas la facture le jour même, donc ils me l'ont passé au rendez-vous post-opératoire. Que je puisse l'envoyer à ma mutuelle. Donc voilà, en tout ça fait 400€ de dépassement d'honoraires et le reste qui est pris en charge par la sécurité sociale. Donc même le dépassement d'honoraires est pris en charge par la mutuelle. J'ai une très très bonne mutuelle. Du coup voilà, je vais devoir envoyer tout ça. Là, je vais passer vite fait à Zeman. Je vais aller acheter une gigoteuse pour Rehana parce qu'elle en a plusieurs.
Mais pour cet hiver, je lui en ai acheté une avec les manches longues, vous savez, pas manches courtes. Et j'aime trop, franchement, j'aime trop. Je lui en ai acheté une et là, j'en aimerais en acheter une deuxième, pareil, identique. Comme ça, ben, quand l'autre, je la mets à laver, ben, elle en a une de rechange. Vous savez, les bébés, ça régurgite, etc. Ça salit les vêtements. Bref, donc là, je vais vite fait m'arrêter à Zeman, regarder le bordel dans la voiture. J'ai tout jeté là, derrière. Vous avez vu? J'ai même pas eu le temps de décharger la voiture. Je suis allée à Auchan, je suis allée à la pharmacie acheter ben, tout ce qui était boîte de lait. J'ai acheté des médicaments pour les boutons de fièvre, au cas où j'ai un bouton de fièvre, au cas où j'ai une conjonctivite. Bon, je sais que là-bas, au Maroc, je peux tout trouver, hein, mais j'ai préféré tout acheter ici parce que c'est mieux. Je connais les produits, je les ai déjà testés. Et là-bas, je connais pas du tout les prix du Maroc. Je sais pas si c'est cher ou pas, je sais pas du tout. Apparemment, les médicaments au Maroc sont très chers. Je préfère les acheter ici. Et puis, en moyenne, il y en a pour 5-6 euros pour chaque médicament. Donc j'ai préféré faire mon petit stock ici avant d'aller au Maroc. En plus, le médecin, il m'a prescrit une ordonnance pour tout ce qui était Doliprane et tout, etc. Donc ça va. Après, le reste, ben, je l'ai payé de ma poche. Tout ce qui était pour les boutons de fièvre, tout ce qui était pour les conjonctivites, j'ai acheté ça. J'ai acheté tout ce qui était Smecta. J'ai acheté tout ce qui était... J'ai acheté quoi encore? Je me rappelle plus ce que j'ai acheté. Bon, bref, j'ai acheté plein de bricoles à la pharmacie. J'en ai eu pour 150 euros à la pharmacie. Du coup, voilà, j'ai acheté du sérum physiologique pour la petite. J'ai acheté des cotons. Vous voulez un peu d'ail sur... Ils sont là. J'ai acheté des cotons. J'ai acheté quoi? J'ai acheté le médicament, vous savez, pour le mal de mer. Parce que je déteste, moi, les transports, tout ce qui est avion, tout ce qui est voiture, tout ce qui est bateau. J'ai vite la tête qui tourne, mais vraiment vite, 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 vite la tête qui tourne. Je ne supporte pas. Et avec la mer, je ne supporte pas aussi le bateau. En plus, ça fait des années, des années, des années, des années que je n'ai pas pris le bateau. Vu que je fais plus de route pour aller au Maroc. Je prends souvent l'avion. Ah, ça va me faire bizarre de prendre. Franchement, mon train est trop bizarre, il est trop chelou. Là, je préfère. Et du coup, il faut que je prenne un médicament avant de monter dans le bateau, comme ça, bah, surtout qu'en plus, on va rester 2 jours. Franchement, c'est pas du tout, du tout, du tout une partie de plaisir. Honnêtement, j'aurais préféré que faire la route de traverser l'Espagne en voiture, prendre le bateau à Algeciras et arriver à Tanger pour 2 heures. 2 heures en bateau. Là, je vais me taper 48 heures de bateau. En plus, on fait une escale à Barcelone avec le bateau. Franchement, j'ai pas envie là. Ils veulent pas réouvrir leur frontière là entre l'Espagne et le Maroc. Je comprends pas ce qu'ils ont là. Ça fait 2 ans que c'est fermé. Ils veulent pas réouvrir. Franchement, c'est n'importe quoi. Vraiment, vraiment n'importe quoi. En plus, ça aurait été trop bien. On aurait pris la route en Espagne, on serait arrêté. Moi, je me serais arrêtée à Marbella, je pense. Je me serais arrêtée pour visiter un peu la ville, parce que quand on y passe, on est juste de passage, vous voyez, et elle a l'air trop belle, la ville. Bref, du coup, bah, on va prendre le bateau. Franchement, le bateau, on n'en a pas eu pour si cher que ça. Avec la voiture et 2 adultes et un bébé de moins de 2 ans, on en a eu pour 500 euros avec une cabine. Une cabine avec 4 places. 500 euros. On aurait pu l'avoir moins cher parce que moi, je l'ai prise il y a 2 semaines. Je l'ai prise il y a 2 semaines, donc les prix étaient plus chers. J'avais déjà vu plus tôt. C'était à 400 euros. Voilà, 400 euros et ça a augmenté en fait. Plus tu prends tard, plus ben, ça augmente. C'est comme les prix des avions et tout, etc. Du coup, on en a eu pour 500 euros avec la voiture. Ça va, c'est pas trop cher. Hein. On va charger la voiture. Vous savez quoi? On va charger la voiture. Au niveau des valises, au niveau de l'organisation de la voiture pour charger la voiture, de toute façon, je vous montrerai en vidéo, vous inquiétez pas. Je vais pas prendre de valise. J'ai acheté des sacs, vous savez, des grands sacs. J'ai acheté des grands sacs pour mettre nos affaires dedans, nos habits, etc. Parce qu'en fait, le problème de la valise, c'est que déjà, c'est dur et ça prend beaucoup de place avec les roues, etc. Alors que là, je prends des sacs, je charge les sacs et en fait,
on peut bien les placer en fait. De toute façon, je vous montrerai tout. Et je vais prendre juste une valise cabine. Comme ça, quand je suis là-bas au Maroc, je pourrais prendre cette valise si je veux, si je veux aller dans une autre ville. Au moins, moi, j'ai une petite valise. Voilà. Et ensuite, je vais préparer deux sacs. Un sac pour le bateau, pour Rehana, et un sac pour nous avec Youssef. Pour tout ce qui est vêtements, je vais prendre tout ce qui est salle de bain, tout ce qui est trousse de toilette. Je vais prendre aussi la nourriture de Rehana. Je vais partir à Auchan là, je vais acheter tous ces pots pour manger au bateau avec les yaourts. Nous, on mangera sur place dans le bateau. Donc, j'ai rien pris pour nous, j'ai pris juste des chips. J'ai pris des chips et j'ai pris quoi, des pancakes. Ils sont trop bons, celui de pasquier. Je sais pas si vous avez déjà goûté, ils sont trop trop bons. J'ai pris ça et bref, j'ai plein de gâteaux encore dans la maison, donc je prendrai des gâteaux. Et puis voilà, voilà, voilà pour le départ imminent du Maroc. Franchement, j'ai trop trop hâte, les filles. Vous savez pas à quel point j'ai trop hâte d'aller au Maroc. Oh, je compte les jours là. Aujourd'hui, on est jeudi. Il reste vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il reste 4 jours. Il reste 4 jours, les filles. Je suis trop contente et je vais vous partager plein de trucs. Tout notre départ, notre voyage, notre arrivée. Franchement, j'ai trop trop hâte. Ouais, du coup, ben, j'ai trouvé celle-ci en 90. Bon, elle est un peu grande, mais au moins, elle pourra la porter pendant longtemps. Voilà, donc vous avez cette couleur, vous avez en gris et derrière vous avez en rose. Vous avez vu, là il y a juste les gigoteuses mais sans manches. Moi je cherche celle avec les manches. Je sais qu'elles étaient là en dessous. Ah voilà, elles sont là. Il y a celle-là avec les petits pois. Moi j'ai acheté celle-là en gris. Moi je crois que je vais lui acheter celle-ci avec les petits pois en blanc. Je vais regarder la taille. Après, ici, vous avez des petits vêtements pour les garçons. Ici, pour les filles un peu plus grandes. Franchement, Zeman, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas cher. Si vous avez un Zeman pas loin de chez vous, allez-y. Franchement, vous allez trouver de trop bonnes affaires pour vos enfants. Franchement, même pour les adultes. Hein, regardez, admettons, là, vous avez les débardeurs pour les adultes à 1,99€. En fait, c'est un peu comme Primark, vous voyez. Vous voyez, vous avez ça, vous avez des culottes, vous avez des boxers, vous avez des sous-vêtements, vous avez plein de choses. Vous avez vu, vous avez des petites bottes pour les enfants, vous avez les gants, les bonnets, vous avez même des pyjamas pour les enfants. Les filles, je vous fais un rapide haul retour de course. Ça va être très très rapide parce que je n'ai pas envie de vous faire trop en détail. Bref, donc là j'ai pris plusieurs déodorants de ma marque préférée qui est Dove. Donc j'en ai pris 2, 4, 6, 8, 10, j'en ai pris 10. Parce qu'en fait on ne sait pas combien de temps on va rester. Du coup j'ai fait un peu le stock, un peu de tout. Les pancakes que je vous ai dit tout à l'heure pour le bateau. Donc j'ai acheté ça. Bon, ça c'est des tomates cerises avec du fromage cheddar. Ça c'est pour, ce week-end, pour qu'on puisse les manger. J'ai acheté plein de briquettes de de crème semi-épaisse. J'en ai acheté plusieurs là parce qu'au Maroc c'est très 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 cher. Et du coup, vu qu'on part en voiture, je peux les ramener avec moi. Donc voilà, j'en ai acheté plusieurs pour faire plusieurs recettes avec la crème. Je sais que voilà, moi j'aime bien cuisiner des plats avec à base de crème fraîche. Donc voilà. Après, pour Rehana, je lui ai pris du coup ces petites briquettes de lait avec du cacao. Je ne le connaissais pas du tout. En fait, j'étais dans le rayon bébé. Et j'ai vu que c'était dès 6 mois. Donc ça, c'est des briques qu'on donne au petit déjeuner. Du coup, je vais lui tester. J'ai acheté des lingettes Biolan. J'adore cette marque. Vraiment, j'ai un coup de cœur pour cette marque parce que ça sent hyper bon, que ce soit pour les lingettes, les gels douche. Les gels douche, ouais, les gels lavant. Ça sent hyper bon. Je lui ai acheté des yaourts là. Je lui ai acheté des petits repas à base de carottes, de pommes de terre, de choux, de patates douces. Ça, c'est pour son repas du soir. Donc, j'ai pris avec tomates, pâtes, courgettes. Bien sûr, j'ai tout pris sans viande. J'ai tout pris sans viande.
Donc, ce sera vraiment des repas végétariens pour elle pour ces 4 jours, la pauvre. C'est pas grave. Ça va pas lui faire de mal. Voilà, donc là, j'ai pris plusieurs yaourts, plusieurs repas pour le bateau. Comme je vous ai dit, j'ai pris le liniment de la marque Biolan parce que j'adore cette marque. Donc, je lui en ai pris 4. Ensuite, j'ai pris ces 2 paquets de chips pour le bateau. J'ai pris du sel parce que je déteste le sel au Maroc. Je trouve qu'il ne sale pas. T'as beau mettre une dose, ça sale pas. Il faut vraiment mettre une grosse quantité. Et je sais pas du tout... comment vous dire... peser, en fait, mettre ma cuillère de sel. Je sais pas du tout comment faire pour saler. En fait, chaque fois, je rajoute, je goûte. Bon, ça me saoule. Alors que moi, je suis une fille qui goûte jamais mes plats. C'est très rare où je goûte mes plats. Du coup, bah, j'ai pris ma valeur sûre. Donc, j'ai pris le sel baleine. Voilà, j'ai pris du Nutella avec nous. Franchement, il y avait une promo. Un acheté, le deuxième à moins 50%. Donc, j'ai pris des pots de 1 kg. J'ai acheté du miel, du 500 ml. J'ai acheté un petit biberon à Rehana pour l'eau. Parce qu'elle n'avait pas de biberon spécial eau. Donc, là, vous avez vu, avec sur les côtés pour qu'elle puisse les tenir. Pour qu'elle puisse tenir son biberon. Donc, j'ai acheté des rasoirs. J'ai acheté une brosse pour nettoyer spécialement ses biberons. C'est trop bien parce que là, il y a une ventouse. Donc, voilà, vous avez juste à la poser à côté de l'évier. C'est top. Et je lui ai pris deux petites brosses pour brosser ses cheveux. Elle en a déjà une, mais j'ai voulu en acheter une deuxième. Voilà pour le retour de course au champ. Et ici, c'est tout ce qui est pharmacie. Donc, je ne vais pas vous faire le retour de course de la pharmacie parce que franchement, c'est pas très intéressant. Voilà. J'ai trouvé ça à la pharmacie. Je suis trop contente. Parce que ça, c'est en général, c'est les filles qui sont sur Facebook ou sur Instagram qui font des lissages, qui les vendent. Et du coup, ce qui est chiant avec ces filles-là, c'est qu'elles vendent toujours le pack. C'est-à-dire le shampoing, l'après-shampoing et le sérum, qui est à 30 euros. Et moi, en fait, ça ne m'intéresse pas d'acheter le sérum à chaque fois. Je me retrouve toujours avec des sérums, plein de sérums. Et en fait, je n'utilise pas souvent les sérums. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment juste le shampoing parce que moi, j'ai un lissage sur mes cheveux. Et je vous disais, en fait, moi, je dois laver mes cheveux sans sulfate. Et j'adore cette marque Rose B. C'est une trop bonne marque, les filles, pour vous laver les cheveux si vous avez un lissage brésilien. En plus, il sent hyper bon, le Rose B rose à la figue de Barbarie. Il sent hyper bon. Et en fait, moi, je veux chaque fois acheter juste le shampoing, pas l'après-shampoing et le sérum, parce que sinon ça fait 30 euros. Et là, je l'ai trouvé à 12 euros à la pharmacie, juste le shampoing, et je suis trop contente. Du coup, je l'ai pris. Il est top. Les filles, on se retrouve au restaurant. Je suis trop contente. Tu sais, tu m'as proposé d'aller au restaurant ce soir. Parce qu'en fait, on était en train de trier les habits dans la chambre. On était en train de trier ses vêtements et les sous-vêtements et les chaussettes. Et je lui dis, bon, on mange quoi ce soir? Parce que voilà, c'est toujours moi qui fais à manger, parce qu'il fait jamais à manger. Et du coup, ben, je lui dis allez, comme ça je prépare un truc à manger pour ce soir. À midi, on a mangé les restes de hier soir, j'avais fait une tartiflette. Et du coup, Youssef m'a dit ben, allez, viens, on va manger au restaurant chinois-japonais. Je suis trop contente, les filles, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de restaurant en tête à tête avec Youssef. C'est rare où il me propose de sortir. Regardez avec sa tête là. Hey, Youssef, dis salam. Salam, salam. Ouais, non, bah écoutez, on était là et j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner, donc du coup, voilà, ça coûte pas cher, donc c'est cool. Non, franchement, ça me fait super plaisir de sortir, je suis trop contente, vraiment. Je vais vous montrer un peu le buffet et je vais vous montrer ce qu'on a pris, ce qu'on va prendre plutôt. Rehana, elle est avec nous là, elle est dans son cosy, on l'a pas mis dans la poussette, comme ça elle peut dormir tranquille dans le cosy. Voilà. Regardez-moi des pizzas, du poulet, des beignets de crevettes, des nuggets, du pain, tout ce qui est entrée ici. Après, on va passer au plat chaud. Ici, il y a les brochettes de fromage, les boulettes de poulet, les pinces de crabe, les nems. Après, bon, des frites, des calamars, bon, là, vous avez un peu de tout.
regardez les filles, ce que j'ai pris à manger en premier round. Donc j'ai pris de la salade avec une feuille, avec une tige de menthe pour manger avec les nems. Ici c'est halal, donc c'est trop bien. J'ai pris en entrée une tomate mozza avec quelques maquis California. J'ai pris du poulet, des nems au poulet, aux crevettes. Ça, je crois que c'est un stick de mozzarella. Un samosa aux légumes et du poulet. Voilà, et ici j'ai mis toutes les sauces. Mes sauces préférées quand je viens ici, c'est la sauce. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, sweet là. Sauce soja sucrée, la sauce nem et la mayonnaise. Bon, on a très très bien mangé. C'était pour clôturer le vlog. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt.